Dites ce texte, je vous en prie, comme je viens de le faire, d'un débit rapide et bien articulé. Mais si vous beuglez, comme pas mal de nos acteurs, autant confier ma prose aux crieurs du village. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléché lui tint à peu près ce langage. Et bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau sans mentir. Si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Il ouvre un large bec, 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 il ouvre un large bec. L'ouvre un large bec, l'ouvre un large bec, l'ouvre un large bec, l'ouvre un large bec, l'ouvre un large bec. Réformez-le encore plus et ne laissez pas ceux qui jouent les clowns ajouter rien à leur texte. Se mettre à pouffer brusquement pour entraîner au rire une quantité de spectateurs imbéciles. Pendant que des questions importantes pour la pièce sont en débat. Le pitre qui se comporte ainsi démontre un goût et une ambition méprisables. Allez, allez vous préparer. Allez, 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 allez. Thank you.
Thank you.
Thank you.